messieurs, bonsoir et bienvenue à nos émissions en langue française qui débutent maintenant et se poursuivent jusqu'à 20h heure locale du Caire, que nous entamons tout de suite avec notre journal complet, notre panorama au complet avec les trois volets politiques que j'aurai le plaisir de vous présenter, suivi des volets économie et du sport. Et on commence tout de suite avec notre volet politique. Les mesures de sécurité étaient renforcées aujourd'hui en Égypte après des appels de l'organisation terroriste des Frères à protester contre la hausse du coût de la vie, très peu suivi dans le pays. Les forces de police ont été fortement déployées, notamment au Caire. La police a mis fin à une série de petites manifestations dans quelques endroits. La police a également dispersé quelques manifestants rassemblés dans la ville portuaire de Suez. Parallèlement, le ministère de l'Intérieur a annoncé l'arrestation de membres présumés de l'organisation terroriste des Frères qui planifiaient des actes de violence pendant les manifestations. Le ministère a dit avoir découvert un dépôt d'armes que les terroristes entendaient utiliser dans leurs manifestations. Dans un communiqué, le ministère précise que ces armes avaient été cachées dans la cour d'une maison dans la province de Fayoum, au sud-ouest du Caire. Le ministère de l'Intérieur a ajouté que ses forces avaient mené mercredi un raid contre 5 fabriques d'engins explosifs dans différentes régions du pays. Il a par ailleurs accusé un groupe militant en coordination avec l'organisation des Frères d'attaquer un point de contrôle policier hier. L'armée